guerres de Vendée s'étalent entre mars 1793 et l'année 1800. Ces guerres ont touché toute une région couvrant le sud de la Loire-Atlantique, que l'on appelle le pays de Retz, le sud-ouest du Maine-et-Loire, que l'on appelle les Mauges, le nord-ouest des Deux-Sèvres, que l'on appelle le Haut-Poitou, et le territoire de la Vendée. Cette région est connue aujourd'hui sous le nom de Vendée militaire. Les guerres de Vendée se sont donc déroulées en pleine Révolution française. Lorsque Louis XVI est guillotiné et que la Révolution déclare la guerre aux puissances européennes, la Convention nationale va ordonner une levée massive de soldats. À l'époque, les populations ne veulent pas se battre pour cette République qui les opprime. Depuis le début de la Révolution française, les Vendéens ont dû subir de la part des Républicains un certain nombre de mesures contraignantes. Depuis 1792, ils ne peuvent plus pratiquer leur religion comme ils le souhaitent, leurs prêtres ayant été pour la plupart arrêtés ou déportés. De plus, les Vendéens sont accablés d'impôts et la situation économique est très mauvaise. La nouvelle administration républicaine, qui n'arrange rien, va finir d'attiser le mécontentement de la population. Ce n'était donc qu'une question de temps pour que la Vendée se soulève contre la République. La conscription sera donc l'élément déclencheur qui mettra le feu aux poudres. Les guerres de Vendée vont alors débuter dès mars 1793. Ce sera alors le début d'une période bien sombre pour les Vendéens, mais également pour la France.